Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur les femmes dans le monde de la tech. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Elvira, qui a eu la gentillesse de bien vouloir venir parler sur ce sujet. Et c'est une personne assez active pour ce sujet-là. Et je t'invite à te présenter et puis on va entrer tout doucement dans le sujet du coup. Bien entendu. D'abord, bonjour à tous. Merci Jocelyn pour cette introduction. Et merci du coup à The Hacking Project d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Donc du coup, je suis Elvira. J'étais en reconversion comme vous en 2019. J'ai entamé un bootcamp de 3 mois avec l'école 3W Academy. Pour ensuite, 2 mois après mon bootcamp, obtenir mon premier poste de développeuse web, du coup. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis développeuse web. J'ai intégré différentes structures. J'ai d'abord fait 1 an dans la finance, ensuite dans les achats et actuellement, je suis dans le service client. Et en parallèle, j'ai créé une communauté qui s'appelle MotiveHer. C'est une communauté d'entraide pour les femmes qui souhaitent se reconvertir ou qui sont, comme moi, déjà installées dans le métier pour qu'on puisse se donner de la force, se soutenir et tout plein d'autres choses. Voilà. Super cool. Ouais, donc vous l'aurez vu, exceptionnellement, on n'est pas sur quelqu'un qui est alumni THP et qui a déjà fait l'école. Donc, mais on est plutôt avec quelqu'un qui peut nous apporter des choses. Alors, j'essaie aussi de contacter diverses personnes de THP. Bon, cette fois-ci, on n'a pas eu autant de monde que prévu. En même temps, c'est les vacances d'été. La plupart des gens profitent parce que, voilà, le monde du dev, de la tech, etc., ça fait beaucoup d'heures de travail par jour. Alors, quand on peut se reposer, c'est quand même mieux. Ok, bon du coup voilà, alors MotiveHer, une communauté que tu as créée du coup, alors MotiveHer, voilà pour les personnes qui se demandent comment ça s'écrit. L'idée c'est de poser sur la table le fait que quand on entend dans la tech, c'est pas aussi facile pour tout le monde, et notamment quand on est une femme, enfin d'ailleurs il y a beaucoup de secteurs où c'est un peu plus difficile d'entrer en fait, soit d'être représenté ou alors d'avoir des facilités et autres, c'est toujours un peu plus difficile. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'on soit une femme ou un homme, hein, bien entendu, quand on se reconvertit dans la tech, c'est ardu, il faut s'accrocher. Quand je vous raconte mon parcours, on se dit « oui, ça a été facile, elle a fait un bootcamp de 3 mois, 2 mois après, elle a trouvé son premier poste et en plus, c'était pas un stage ». Mais il s'avère que tout le long de ce parcours, j'ai éprouvé des difficultés, comme tout le monde. J'ai eu des moments où j'ai eu vraiment envie d'abandonner. C'est arrivé surtout après le bootcamp. Parce qu'on se dit, voilà, une fois que le bootcamp est fait, le plus dur a été fait. Non, c'est la partie de plaisir qui a été faite. Là où c'est le plus compliqué, c'est devoir se présenter à des entreprises, se prendre énormément de portes dans la figure parce que on n'a pas d'expérience forcément. Donc, trouver le moyen de valoriser ce qu'on sait faire, de valoriser aussi les projets qu'on a pu mettre en place dans la formation qu'on a eue. Et ce sont toutes ces petites choses, en fait, qui font que finalement, on y arrive. Mais on n'y arrive pas comme ça et on n'y arrive pas sans se ramasser un peu beaucoup. Oui, carrément. Et là où la difficulté s'installe, c'est, je parle dans mon cas, hein, étant une femme, c'est d'autant plus du fait d'être une femme, on a forcément ce sentiment d'illégitimité, ce sentiment qui nous poursuit tout le temps. Hein. Il y a encore quelques mois, je me sentais illégitime d'être dev. Et pourtant, ça fait 3 ans que je suis dev. On va savoir pourquoi. Alors déjà qu'il y a un syndrome de l'imposteur de base, c'est-à-dire que dès qu'on entre dans ce milieu-là, on est censé se sentir imposteur. Alors si, en plus, ouais, ça s'ajoute. En plus, en étant une femme, on l'a 2 fois plus. Enfin, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai quand je compare mon expérience et mon vécu à d'autres camarades qui sont des hommes et qui, eux, n'avaient pas l'air de naviguer dans les mêmes difficultés que moi, en fait. Eux, leur souci, c'était tout simplement de bien se vendre. Au fond d'eux, ils se sentaient dev dès la première ligne de code. Or, moi, je me suis sentie dev
récemment. Ouais. Je veux pas vous décourager, hein. C'est pas pour vous dire ah, non, mais vous n'êtes pas des vrais devs. Pas du tout. Au contraire, il faut dès le départ se mettre dans l'idée qu'à partir du moment où on a su transmettre une information à un ordinateur, ce qu'on fait basically tous les jours, l'important c'est que si on l'a fait une fois, ben, je considère qu'on est dev en fait. Après, il y a le métier de dev et coder, tu vois. C'est deux choses différentes. Le métier, c'est d'autres choses qu'on apprend, comme ben, les daily, comme les différents modes de fonctionnement d'une équipe tech, comment est constituée une équipe tech, les différents interlocuteurs qu'on a en tant que dev. Tout ça, c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure. Mais en chemin, si on n'a pas d'expérience, ben, forcément, on se dit, bon, allez, ils m'ont choisi, mais est-ce qu'ils m'ont choisi parce que je suis une femme ou est-ce qu'ils m'ont choisi parce que mes compétences, etc. Bon, pour lutter contre ça, je vous dis tout de suite, je me dis toujours en boucle, je suis une dev, je suis où je dois Ouais. être. Ça paraît tout bête. On se dit tout de suite, oui, non, elle se répète des mantras toute la journée, mais en réalité, ça permet vraiment de se rassurer et de se dire, bon, regarde tout ton parcours, regarde tout ce que tu sais faire. C'est pas n'importe qui. Qui en est capable en fait. Ça me rappelle aussi une autre table ronde que j'avais faite cette fois-ci avec plusieurs femmes de différents métiers de la tech. Et l'une d'entre elles qui est dans la cybersécurité après avoir fait de la cybercriminologie, elle disait un truc qui m'est resté en tête et que je me martèle. À partir du moment où on entre dans une pièce et qu'on en sait plus que 90% des personnes qui sont dans la pièce, on est un expert. Ouais, tu m'as ôté les mots de la bouche, je voulais dire ça exactement pour compléter ce que tu disais, effectivement. En fait, le truc, c'est que peut-être qu'on se sent imposteur, parce qu'on se dit, mais attends, mon savoir, il est assez pauvre. Mais en fait, il est assez pauvre, mais beaucoup plus riche que celui de l'entourage. Typiquement, là, j'ai lu récemment 2-3 cours sur le réseau et les trucs comme ça, et en fait, bah, c'est des choses qu'on se pose plus, ces questions-là, par exemple, de comment fonctionne le réseau, de quoi on est entouré dans l'ère, les réseaux sans fil, mais aussi les réseaux avec fil, etc. Et en fait, rien qu'en Exactement. lisant 2-3 cours, bah, j'en sais plus que tout le monde. Après, bon, là, l'idée, c'est que bah, chacun d'entre vous avait fait des bootcamps, etc. Donc, il y a beaucoup plus qu'avoir lu 2-3 cours, quoi. C'est plusieurs mois intensifs de travail, d'apprentissage théorique et pratique. Absolument. Et déjà, pour moi, je compare ça à Koh-Lanta ou Survivor, quoi. Déjà, de survivre à un bootcamp quand on n'y connaissait rien. Enfin, là, actuellement, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui, il y a 4 ans, ne savait même pas que le code existait. Je ne sais pas si vous Ouais. imaginez, mais moi, de le dire, je trouve ça hallucinant. Et ça renforce, bien sûr, mon syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, Ouais, ah, mais franchement, tu connaissais rien il y a 4 ans, t'es sûr évidemment. que. Ouais, bah oui. Mais au bout d'un moment, bah, on met ça de côté et on se dit, bon, c'est le métier, ok, c'est un métier particulier, les modalités d'entrée dans une boîte ne sont pas les mêmes, on passe un entretien, un test technique. C'est pas comme dans d'autres métiers où on a juste à réussir 2-3 entretiens et c'est bon. Et du coup, oui, ça rajoute. Ah pardon, excusez-moi. Ça rajoute de la pression. Et ajouté à cette pression, on a aussi la pression de la reconversion tout court. Parce que beaucoup de gens dans notre entourage, dans l'entreprise qu'on a pu laisser pour cette reconversion, vont peut-être nous mettre le doute aussi. Et ça m'est déjà arrivé hein, qu'on me dise carrément que voilà, que j'ai halluciné, que c'était pas possible, que c'était pas une ambition réalisable. Et ça, ce sont des petits. Enfin, j'en parle parce que c'est des choses qui, mine de rien, minent en fait le moral. On s'en rend vraiment pas compte, mais l'un après l'autre, plus soi-même nos petites difficultés et nos petites luttes, parce que bah, si on n'a pas d'aide, et ce fut mon cas, en 2019. Oula, ça a coupé.
Ah, il y a ton Ah, micro qui est coupé. Ouais. c'est mon ordinateur qui a décidé de se mettre en veille alors qu'il fait jamais ça. Je Excusez-moi. Excusez-moi. Pas grave. disais qu'en surcouche, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est bah, les réflexions de l'entourage et autres. Exactement. Et ça, ajouté à ses propres difficultés, ajouté au fait que si jamais on n'a pas pu bénéficier d'aide, par exemple, enfin, dans mon cas, j'avais pas d'aide. Hein. J'ai fait ma reconversion, je l'ai payée en entier. J'avais pas de quoi vivre à côté. C'était entre guillemets marche ou crève. Et du coup, on a déjà cette pression. Plus la pression qu'on se met à soi-même parce qu'on se dit, allez, il faut que j'y arrive, quoi. Et ajoute à Ouais. ça les proches, ça fait beaucoup de gouttes C'est ça. pour un petit bocal. Et c'est pour cela que aussi que j'ai créé Motiva, parce que même si c'est à destination des femmes, hein, je précise que c'est également ouvert aux hommes. Mais mon but dans tout ça, c'était de pouvoir s'entourer des personnes avec qui vivent la même chose et qui savent de quoi on parle en fait. Ouais, carrément. Parce que quand on devient dev, beaucoup de gens croient qu'on répare des ordinateurs hein, en me demandant encore des conseils pour des tablettes alors que je n'y connais rien. Ouais, c'est vrai. Moi, ma Donc. grand-mère me demande de réparer sa télé tout le temps. Mais tu es dev. Ça Tu n'a peux rien à réparer voir. ma télé, mon réseau, ma salle de bain aussi, s'il te plaît. Non, mais absolument. Et garder des contacts avec les alumni de son bootcamp ou de sa formation, comme tout simplement joindre des communautés qui existent, parce qu'il n'y a pas que Motiveur, il y a beaucoup de communautés de dev qui existent. Et ça c'est le moyen qui peut nous aider enfin, nous aider à nous en sortir et à essayer de trouver l'extra pulse en fait. Parce qu'arrive un moment, on est humain en fait, on va tous craquer à un moment donné. Après, ben, qui est là quand on craque? C'est aussi une question qui est intéressante quand on se reconvertit, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a craqué et craqué, hein, évidemment. Oui. Le but, en fait, c'est pas de faire peur, c'est d'être averti, de savoir un petit peu Absolument. comment ça peut se passer. Et du coup, Avant que je vive. construire les bonnes armes pour se défendre contre ça. Donc, typiquement, rester accroché. Mais en fait, comment dire, quand on est persévérant et qu'on s'acharne, il faut aussi savoir se reposer. Parce que c'est l'un des éléments qui fait que bah, si on ne se repose pas, on est de moins en moins, on est de plus en plus fragile. Et donc, bah, c'est plus facile de craquer, quoi. Exactement. Et quand j'ai craqué, c'est pas forcément voilà, faire un craquage nerveux, péter les plombs. Non, non. Ça peut tout simplement être se dire, et ça m'est déjà arrivé, hein, revenir d'un entretien en pleurs, quoi. Enfin, parce que je me dis, mais je sais vraiment rien faire. Enfin, et trouver la motivation pour remonter, justement, c'est extrêmement difficile. Donc, le savoir, c'est une chose, mais le vivre, c'est autre chose, quoi. Ouais. En fait, il faut être préparé. Ouais, effectivement, tu soulèves un point niveau entretien. En fait, les phases de recrutement, c'est des phases qui peuvent être un petit peu difficiles mentalement parce que justement, on ne trouve pas forcément du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième. Et bah, souvent, en fait, le fait de se faire refuser comme ça met des coups dans l'estime de soi. Parce que ben, en fait on se dit que finalement peut-être qu'on n'est pas à notre place. Donc ça rajoute encore effectivement ce sur quoi on parlait au tout début effectivement voilà ça en rajoute sur le fait que ben, on ne sait pas si on est vraiment à notre place quoi. Et donc du coup, ben, forcément, ça finit par, enfin, ça finit par éroder un peu notre confiance, quoi. Alors que dans une reconversion, au contraire, il faut avoir confiance en soi. C'est tout le paradoxe de la chose. Donc c'est profiter en fait de pouvoir être entouré de personnes, parce que enfin, de personnes dans cette communauté que je trouve extrêmement bienveillante. Parce que vous pouvez toujours sur LinkedIn demander à un dev son avis, poser des questions. La plupart des gens avec qui je l'ai fait ont répondu, si ce n'est la majorité, enfin si ce n'est 90%. Donc n'hésitez vraiment pas à vous entourer en fait. C'est ça qui va vous porter aussi.
Comme je dis souvent, c'est une traversée du désert. Mais si vous ne prenez pas le temps d'avoir de l'eau ou de vous aménager des vraies oasis, vous allez vite abandonner et ce serait dommage en fait. Ouais, après autant d'efforts. Absolument. Ouais, c'est ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé de suivre des femmes qui finissent par abandonner. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu une. Mais c'est dommage en fait parce que on est tous des petites pépites et quand on commence à coder et qu'on aime ça en plus et qu'on trouve, je sais pas, de. Moi je sais pas ce que vous ressentez vous quand vous codez, mais personnellement je ressens beaucoup de joie quand je code. C'est pour ça que je passe ma vie à essayer de convertir tous les membres de ma famille. Ouais, je comprends le truc, ouais. Qu'on vient de découvrir, enfin, on vient de découvrir, après, selon, enfin, même au fil des années, ça peut faire 10 ans qu'on vient de découvrir le code, mais on est toujours en mode, c'est trop génial, fais-en. Moi, Mais j'essaye, oui. hein, avec des gens qui aiment pas du tout l'informatique en général, je leur dis, non, mais c'est trop bien, il faut que tu codes. Enfin, après, je Et sais c'est que, encore plus voilà. challengeant quand la personne n'aime pas l'informatique à la base. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, ma soeur a décidé cette année de se reconvertir aussi et j'étais super heureuse de pouvoir être là et de répondre à toutes ses questions et de l'aider du mieux que je pouvais. Bon, elle a choisi DJS, dommage pour elle, mais je rigole. Attention, le débat peut être lancé et être très grand. Je sais, c'est pour ça, je voulais juste faire un petit scud Ouais. juste très rapide. Non, je plaisante, mais oui, c'est pas, c'est même si on parle pas le même langage programmatiquement, on va dire, on peut toujours échanger en fait. Enfin, jamais échanger avec des personnes qui codent en C alors que j'ai jamais touché une ligne de C aussi, par exemple. Donc Exactement. c'est tout ça justement, savoir s'entourer de personnes qui peuvent vous aider ou vous apporter cet extra plus qui vous aidera à continuer votre route. C'est un marathon hein, dans lequel vous vous êtes engagé, c'est pas un sprint. Donc tout ne s'arrêtera pas à la fin de The Hacking Project, vous aurez d'autres choses à faire et vous verrez d'autres choses et vous rencontrerez d'autres personnes et votre chemin il se continuera, c'est que le début du voyage. Hein. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est entre ces périodes de transition là, entre par exemple THP et votre avenir, c'est les moments où justement on se met à tous se séparer et à s'isoler un petit peu, parce que bah on pense pas forcément à rester soudés. Et c'est à ce moment-là où justement il faut garder ça en tête, rester vigilant sur le fait d'être de rester soudé quoi. Oui, parce que vous savez pas qui va vous tendre la main quand vous penserez pas bien et le simple fait c'est pas non plus parler entre vous et vous dire tous les jours oh, je suis en déprime. Non, pas du tout, c'est voilà, si ça va pas ben essayez de poser des questions à quelqu'un qui voilà, t'as déjà ressenti ça et comment t'as fait quand c'était arrivé voilà, pas forcément, on parle pas de se lancer dans une thérapie de groupe, mais plutôt de s'aider les uns les autres parce que vous êtes tous sur le même bateau hein, Et même quand en ça va en réalité. fait, parce que souvent il y a des personnes qui disent ah oh, mais non mais ça va, du coup je vais pas rester dans mon coin. Et Ben bah, oui. justement quand ça va, en plus la force du groupe justement c'est de créer un élan tous ensemble et de continuer à avancer. Ouais, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a des très rares exceptions de personnes qui n'aiment absolument pas travailler avec d'autres personnes et qui veulent vraiment rester seules parce qu'ils se disent que bah, tout est mieux seul, quoi. Ça arrive, j'ai eu quelqu'un au téléphone récemment comme ça. Ça arrive, mais pour la majorité, c'est vrai que être entouré d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs et qui se battent dans le même sens, dans la même direction, ça aide énormément qu'on se sente mal ou bien en fait. En tous les cas, c'est un bon réflexe. Oui. Et puis même enfin, si on aime travailler seul, ben dans ce cas-là, on vise le freelance. Parce qu'en entreprise, quoi qu'il arrive, vous serez une équipe, quoi. Enfin, oui, ok, vous prendrez des coups, mais vous allez prendre des coups en collectif. Ouais. Vous allez avoir des galères, mais vous allez avoir des galères tous ensemble. Enfin, ça change tout aussi. Ouais. C'est pas pareil de coder un projet tout seul dans son coin que d'intégrer une équipe tech.
Et puis il y a un autre point aussi qui facilite la vie, c'est de se concentrer plutôt sur sa curiosité que sur... Ah, je reprends hein, les conseils un petit peu de la table ronde précédente. Je vois Anthony dans le public qui sourit dans sa tête. parce qu'effectivement, il disait ce conseil-là, que en fait, quand on reste curieux, bah, on se met à creuser énormément et à comment dire, à être plus concentré sur la soif de connaissance, en fait, l'envie d'ingérer plein de choses pour soi, quoi, pour apprendre plutôt que de se concentrer sur d'autres choses qui sont un peu moins agréables, quoi. Et typiquement, bah, c'est vrai que récemment, bah, j'ai rencontré une personne extrêmement curieuse qui posait un milliard de questions, et qui se posait un milliard de questions, peu importe son niveau, qui n'est pas un niveau non plus du tout expérimenté. Et en fait, c'est vrai que cette mentalité-là, un peu de comme quand on est enfant, où on se pose des questions sur absolument tout dans l'univers, des choses qui peuvent paraître bêtes, par exemple, pourquoi le ciel est bleu, quoi, enfin, vraiment, se poser des questions sur tout, ça fait creuser et élargir énormément le champ des connaissances, quoi. Ah Et, mais ouais. je suis, enfin là, je ne peux que approuver ce que tu viens de dire. Je suis absolument d'accord là-dessus. Enfin, c'est la curiosité, ce petit truc qui vous a poussé à venir et à coder et à vouloir en être de ce métier. Gardez-le, quoi. C'est un truc qui va vous driver tout le temps, en fait. Et perdez pas de vue cette petite étincelle que vous avez en vous. Je pourrais pas ajouter d'autres mots parce que c'est exactement ce que je voulais aborder par la suite. Ah. Mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la curiosité, c'est l'une des qualités essentielles pour un dev. C'est même limite. Ça doit même respirer. On doit respirer la curiosité, quoi. Enfin, quand je me mets sur un projet, je me mets en mode gamine, vraiment. Ouais. Mode gamine activé. Pourquoi, 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 pourquoi? Je pose que des pourquoi. Ah mais c'est fou, je sais pas, il faut vraiment, enfin pour ceux qui essayent pas forcément, celles et ceux qui essayent pas forcément, essayez de mettre un pourquoi sur toutes les choses que vous voyez, au moins dans un seul domaine, hein, pas dans tout, sinon je sais pas, enfin ça va être compliqué. Sinon, Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois j'essaye, par exemple récemment je m'intéressais un peu à la cybersécurité, je me suis mis à poser un pourquoi sur tous les mots de toutes les phrases que je voyais et que j'entendais, soit dans des interviews Mais YouTube c'est ou autre. le... Et en fait, bah, j'ai dû prendre une feuille et écrire tous les points, tous les axes à creuser. Et en fait, bah, ça fait une toile d'araignée qui devient immense. Et du coup, on peut avoir bah, en fait, énormément de connaissances avec cette méthode du pourquoi, en fait. Du pourquoi à tout. Absolument. Donc, Moi, je le fais tout le temps depuis mon premier jour de formation. Bon, mon professeur, si vous le croisez un jour et que vous lui parlez de moi, il va vous dire que j'étais infernale. Que même à la pause déj, j'étais avec mon cahier. Pourquoi t'as dit ça à telle heure ce matin? Pourquoi t'as dit ça? Mais finalement, ça m'a servi puisqu'il y a beaucoup de pourquoi auxquels j'ai eu des réponses et qui, ben. Sont tombés dans un entretien technique. Donc, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais le fait de m'être posé la question et d'avoir eu la réponse, ben, ça m'a avancé dans mon appréhension des différentes théories, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et Donc, puis même si ça c'est... tombe pas en test technique, on peut le faire tomber, on peut attirer le sujet et c'est assez drôle, ben, parce que Absolument. du coup on peut faire plein de remarques et comment dire, bah ça fait toujours plaisir de l'autre côté quand tu vois que la personne fait plein de remarques et elle lance plein de discussions et t'as envie de discuter de tout avec cette personne-là parce que bah, elle s'est posé des questions sur plein de choses et elle continue à te poser des questions pendant que vous parlez. Finalement, vous commencez à débattre et à discuter au lieu d'être bah, en entretien classique. En fait, moi récemment, tous mes entretiens ils ressemblaient à ça. C'était vraiment des discussions où on était bah, à la même hauteur, quoi. Et en fait, on discutait, quoi. Et il voyait que le feeling passait énormément parce que bah, on n'était pas dans une démarche, comment dire, standard où justement, bah, on est là, ok, tu poses deux, trois questions, enfin, je sais même plus comment ça se passe d'ailleurs, mais plutôt dans une démarche de, ok, on parle d'un sujet, on parle d'un point, je parle en tout cas des entretiens techniques, pas des tests techniques, hein, mais vraiment des entretiens techniques où juste on parle à un dev ou autre. Et finalement, ça mène à un autre point qui mène à un autre point, etc. Et on se met à couvrir plein de sujets différents et c'est fantastique quand même.
C'est ça, et à la fin, ben, l'entretien devient une conversation. Voilà. Et ça aura marqué la personne, il va se souvenir de vous, même après, même si c'est quand même Absolument. quelqu'un d'autre, quoi. Et puis même cet exercice peut se faire également, même avec une personne qui n'est pas technique. Apprendre à vendre un projet à une RH, c'est aussi une compétence que vous pouvez avoir. Et là, vous pouvez vous servir de votre passé, de quand vous ne connaissiez pas le code, ou de comment une personne qui ne sait pas ce que c'est le code, ou qui veut juste avoir un produit fonctionnel, peut voir votre site. Quels sont les types de features, de noms de features qui peuvent attirer l'œil. Pas dire oui, j'ai mis un drag and drop. Plutôt dire oui, j'ai implémenté une interface modulable. On se dit, ça a l'air de rien, mais c'est des choses comme ça qui peuvent nous aider déjà à passer la barrière RH, à Ouais, passer au toutes les lieu de barrières non drag and drop, tech. tu dis glisser-déposer. Voilà, Ouais. Ouais, ou tout simplement dire bouger des objets, enfin, et puis c'est. selon le profil de la personne, on peut adapter aussi son niveau d'explication sur son projet. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille vraiment. C'est si vous avez un entretien, ou enfin un entretien qui soit technique ou pas, de savoir défendre un projet en particulier. Et d'y mettre les termes, vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? Et justement, c'est en apprenant à faire ça que vous allez être de plus en plus à l'aise aussi à parler techniquement et surtout à vous approprier vos compétences en fait, tout simplement. Et quand vous aurez fait la liste, vous allez voir à la fin, oh, j'ai fait tout ça? Bah Ouais, oui! c'est toujours un moment assez fort, ce moment-là où on se dit, bon, faut que je fasse la liste de tout ce que j'ai appris, bah, soit pour le mettre, je sais pas, sur un profil Malte ou LinkedIn ou autre. Et là, on se dit, ah ouais, ah ouais, ah j'aime bien. Donc, ouais. C'est absolument ça. On se dit que c'est rien. On se dit que. Mais prenez le temps vraiment de travailler votre façon de vous vendre. Oui, on peut se dire, je suis pas un vendeur de tapis, etc. Ça fait très mercantile, on va dire. Ça fait très, je suis une marchandise, mais pas du tout. C'est pas que vous êtes une marchandise. C'est que vous êtes une personne qui a des services à proposer à une entreprise. Donc, ces services-là, il faut bien les mettre en valeur. Ouais, carrément. Je suis désolée, mais rappelez-vous votre dernier anniversaire, le cadeau le mieux emballé, c'était le cadeau qui vous a le plus emballé avant de l'ouvrir. C'est forcément ça. Bah oui. C'est parce que même, enfin, ça m'est déjà arrivé de conseiller ça, parce qu'également chez Emotiva, on fait des ateliers justement sur les CV, etc. Et parfois on dévie sur les entretiens et les tests techniques. Et j'ai souvent cette réflexion, que ce soit d'homme ou de femme, oui, mais je vois pas l'intérêt de me vendre, je sais coder, etc., etc. Non, non, c'est pas ça. C'est que les personnes ne savent pas en réalité si vous savez coder ou pas. C'est à vous de montrer ce que vous savez faire. Et comment vous pouvez montrer ce que vous savez faire, c'est en sachant l'expliquer. C'est Tout ça. simplement. Si vous ne savez pas expliquer pourquoi vous avez pris telle ou telle décision pour votre projet, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est clair. Et en fait, admettons qu'on parte sur aucune ex explication. En fait, si ça se passe comme je disais tout à l'heure, on est curieux, on parle de plein de sujets, on pose plein de questions, etc. En fait, vous êtes en train de parler technique avec quelqu'un, vous ne parlez pas de projet que vous avez fait ou de leur projet spécifiquement. Mais vous abordez des sujets techniques. Et en fait, ils voient que vous avez une maîtrise en fait, de ce qui est technique, tout simplement, en fait. Et c'est assez drôle parce que la personne va juste se baser sur une impression. Mais vous aurez tellement bien discuté, en fait, que ce sera suffisant pour se dire, ok, bon, la personne connaît le milieu. Alors que vous n'avez pas parlé de code, forcément. Parfois, c'est pas forcément du code, c'est entre technique et humain. Enfin, voilà, c'est un peu. La limite est floue, quoi. Mais rien que Même ça. quand vous savez pas, je vais vous annoncer un scoop. Ouais. Non, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop parce que beaucoup de gens le savent. J'ai eu trois postes pour lesquels, non, deux postes pour lesquels j'avais raté le test technique. Ouais. Comment c'est possible?
Enfin, tu vois, je pourrais très bien me dire, je suis vraiment un imposteur pour le coup, parce que non seulement je foire les tests techniques, mais on me prend. Mais il y a également l'attitude, enfin, l'attitude quand on ne sait pas. Il y avait des questions, oui, j'avoue, je ne savais pas du tout, parce que j'avais jamais croisé ce cas de figure. Bah, hop, j'avais mon carnet sur moi, je sortais mon carnet, je disais, oh, mais en fait, j'ai lu ça, est-ce que c'est un rapport avec ça? Dans ma réponse, en fait, même si j'avais pas la réponse, j'essayais de le relier à d'autres choses que je sais. Ça C'est une marche très très bien, ça. Ça marche très très bien. Il y a façon plein de aussi fois de où on est face à des trucs, on sait pas en fait, on n'a pas la réponse. On admet qu'on n'a pas la réponse, mais on dit que on fait des je suggestions quoi en suppose fait. que c'est ça, Ouais. enfin tu vois, et ça marche très bien. Et après, ben, si on vous dit non, c'est pas ça, ben direct, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Je veux Ouais. savoir. Et notez bien devant la personne, Et parce le. que ça prouve que ce que la personne dit ça vous intéresse, en fait, tout simplement. Et que vous êtes curieux. C'est ça, et même si c'est en visio par exemple, vous demandez comment ça s'écrit, et là et la personne entend les bruits de clavier, comme si vous étiez en train de Même au rechercher, début de. rien que ça, Ou même, ça fait. enfin, je suis totalement d'accord. Et Ouais. puis même, enfin, moi je suis plus manuelle à écrire dans un cahier. Donc du coup, à chaque début d'entretien, j'avais mon cahier à côté quand c'était une visio. Et je leur disais, si vous voyez que je baisse la tête, c'est que je suis en train de noter. Ouais. Voilà, c'est des trucs qui paraissent bêtes. On se dit, c'est des petits conseils. Voilà, on se dit, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en réalité, appliqué, mis bout à bout, dans un process de recrutement, ça peut vraiment faire la différence, quoi. Ouais, ça a de l'effet, ouais, effectivement. Aussi, pour aller pour creuser un peu les choses qui sont liées à la curiosité, je dirais quelque chose d'assez intéressant, c'est le partage de connaissances. Ça peut être hyper bénéfique en fait de partager ses connaissances. Alors, parce qu'en fait, en enseignant, à la fois on tisse des liens sociaux avec d'autres personnes, à la fois on renforce ses connaissances. Voilà, ça a des intérêts multiples. Totalement. Et puis même en étant en formation, même en étant en entreprise, on peut partager ses connaissances. Si par exemple un collègue nous demande de l'aide sur un sujet parce que il rencontre ça, il voit pas trop comment résoudre le problème, on peut très bien dire moi je sais que j'ai rencontré ce problème, et ça arrive souvent hein, en milieu d'entreprise. J'ai rencontré ce problème comme toi, voilà comment j'ai fait. Et ça paraît tout bête, on se dit, oh, la personne, elle a pas fait grand-chose. En réalité, elle a partagé ses connaissances. Ou même d'autres personnes qui écrivent régulièrement des petits articles ou des petits trucs sur Twitter ou même sur Medium pour juste dire, j'ai testé telle librairie, c'est cool, ça fait ci, ça fait ça. Ben, on peut se dire, c'est rien. Mais en réalité, c'est beaucoup parce que d'autres personnes vont peut-être tomber sur cet article et ça va peut-être les aider dans leur travail également. Mais je te rejoins encore une fois Ouais. sur cette notion de partage tout court, en fait. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est Pas vrai pour qu'il y a rien des. qu'on a des outils open source. Enfin, Ouais. si on a du open source dans le dev, je connais pas d'autres métiers où on fait du open source. Hein. Ouais, c'est vrai Citez-moi que. en d'autres si vous en connaissez, parce que moi, je vois pas. Ouais, effectivement. Après, il y a les associations, je sais pas, de réparation de vélo, des trucs comme ça. Bon, c'est. Entre guillemets, open source, quoi, mais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a pas beaucoup de domaines comme ça, ouais. Sans Mais. compter des grands noms qui parfois partagent leur code et leur code est visible, quoi. Enfin, on en connaît beaucoup. Ouais. Ouais, et puis Non, voilà, bah, dans c'est les bon. promos THP, il y a plein de modèles exemplaires que j'ai vus. En fait, les personnes les plus exemplaires, c'était les personnes qui n'étaient pas forcément en avance sur les autres, mais ils partageaient tellement leurs connaissances, ils étaient tellement curieux, et ils poussaient tellement tout au plus loin possible que finalement, ils se mettaient à sortir du lot, quoi. Donc Non, ça peut être un mais bon ça, atout. c'est un super atout, même c'est pas, enfin, c'est pour ça que je parlais de notion de marathon tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas dans un sprint, vous n'êtes pas en compétition contre vous-même, en fait, contre les autres. La compétition, elle est contre vous-même. Ouais, Et carrément. donc, si vous vous donnez la chance et si vous vous donnez la capacité de pouvoir faire
aller loin en partageant et en étant curieux de tout et en essayant de comprendre pourquoi vous faites les choses et pas juste les recopier, bah ça va vous mener super super loin. Même dans 10 ans, vous allez toujours à garder ça et ça va toujours être votre moteur et vous pourrez toujours être encore meilleur. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon aujourd'hui que vous serez pas bon toute votre vie. C'est pas, et encore pas bon, bon, pas bon, c'est relatif quoi. À partir du moment où on s'arrête, forcément, bah là, on est obligé de plus être bon parce que si on n'est plus là-dedans et qu'on continue pas à s'accrocher, on arrête de progresser, quoi. Le but, c'est de continuer, quoi. C'est ça. Et de surtout pas se comparer à d'autres devs. Parce que ça sert à rien de se comparer et puis enfin Ça ça vaut dépend, ça mieux. dépend. Je pense que si on se compare, mais sans avoir d'attache émotionnelle au fait de se comparer, si c'est juste d'un point de vue, comment dire, ah, ça c'est intéressant à avoir comme qualité, j'aimerais bien l'avoir, donc je vais travailler sur moi pour l'avoir. Ça peut être bénéfique. Effectivement, si on se compare aux autres d'une manière plutôt bah, pas assez saine, ouais, c'est pas forcément bon. Oui, plutôt enfin, quand je parle de comparaison, c'est plutôt se dire, oh lui, il arrive à faire ça en 5 minutes. Oui, Moi, c'est vrai. je mets 2 jours, je suis nulle. Ben non, non. C'est juste que vous n'avez pas la même marge de progression et peut-être que vous n'avez pas la même base, en fait, tout simplement. Ouais, un vécu différent, etc. C'est ça. Ouais. Bah, ou comme se comparer quand on est reconverti, se comparer à des personnes qui ont fait une école d'ingénieur ou un master en informatique, ça a pas de sens Ouais, de ouais. toute façon, parce que ce qu'ils ont appris, on pourra pas le rattraper comme ça. Donc autant se blinder sur notre façon de faire et sur comment on travaille et pour pouvoir progresser et rattraper avec le temps. Peut-être que tu as d'autres idées, de choses à aborder justement sur les conseils. Une petite astuce qui a l'air de rien et qui m'a servi grandement, c'est de pouvoir, comment dire, c'est de bah, d'avoir un carnet de notes en fait. Et du coup, ça m'a servi parce que chaque fois que je doutais, je regardais ce carnet de notes et je me rendais compte des premières notes que je faisais parce que j'ai tendance à noter ce que je sais pas en fait. Enfin, c'est dans ma façon de fonctionner. Je note toujours ce que je sais pas et je me rendais compte que en fait il y avait plein de choses qui quand je les avais notées je savais vraiment pas, enfin je sais pas comment l'expliquer mais Ouais, je carrément, ouais. savais pas et là d'un coup en le revoyant avec des mois de code dans le sac à dos, ben je me rendais compte qu'en fait c'était acquis quoi et juste ça ben c'est une petite victoire. Mais c'est des petites victoires comme ça qui font justement qu'on savoure encore mieux son parcours et qu'on se dit, ben allez, je peux avancer, keep going. Et dès qu'on tombe, ah ben rappelle-toi, tu te rappelles, il y a 2 mois, tu savais pas faire ça. Maintenant, tu sais le faire. Tu as la possibilité de continuer encore. Allez, allez, putain. J'essaie de vous transmettre la voix dans ma tête. Ouais. Mais en gros, c'est un peu ce qu'elle me dit. Et voilà, je me refais le trajet. Et je me redis, oui, en fait, là, ça fait 3 ans. Waouh. Enfin, et on continue. Et je me dis, allez, à la quatrième année, on Ouais. refera le bilan, on refera le point. On se remémorera encore ce qui s'est passé tout ce temps-là. Et vraiment, c'est le la plus, enfin, je trouve que c'est le plus beau réflexe que j'ai pu garder, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à diminuer comment dire, l'importance à sous-estimer l'importance des notes manuscrites. Ça a pas mal d'avantages, mais c'est vrai qu'on peut s'y déshabituer assez vite. Moi, c'est vrai que, bah, pour prendre mon exemple, avant, je prenais trop de notes pour rien, je notais tout. C'était un peu les habitudes scolaires, quoi. Après, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien la pratique, je vais plus rien noter. Donc je me suis mis à plus rien noter et à me dire, en fait, faut que ce soit dans ta tête et si tu te reposes la question, tu refais la recherche jusqu'à que ça rentre dans ta tête. Et donc, bah, du coup, j'étais sûr d'avoir le truc dans ma tête, ou alors, si je me pose la question, je suis obligé de refaire la recherche. Et en fait, bah, les notes manuscrites, justement, il y a ce côté historique où on peut se rassurer et se lire longtemps en arrière et se dire, ah ouais, tiens, avant je me posais ces questions-là, bah, maintenant c'est une évidence.
Il y a ça, il y a le fait que ce soit manuscrit aussi, ça rentre un peu mieux aussi dans la tête que si on tapait sur un clavier en fait. La mémoire kinesthésique, si je dis pas de bêtises, il y a ça, et en fait le fait que quand c'est une note manuscrite, on peut faire des schémas, on peut dessiner, on peut C'est organiser nos ça. pensées un peu comme on veut, on n'est pas obligé de suivre des lignes quoi. Et en fait, ça, le fait de le tenir dans les mains et de pouvoir naviguer comme ça sur un support physique, ça a tendance à peut-être mieux se fixer dans le cerveau parce que, en fait, quand vous naviguez, vous êtes obligé de voir les autres pages que vous aviez fait auparavant. Et en vous rendant compte ou pas, ou sans vous en rendre compte forcément, vous relisez en fait ces trucs-là. Et très très récemment, j'ai fait le test en fait de prendre des notes pour un domaine que je connais pas du tout. Et de prendre des notes sur entre guillemets tout, mais vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que si je lis 10 pages de quelque chose, j'aurais écrit une double page, mais de demi-page de feuilles d'imprimante, quoi. C'est vraiment des petites pages que j'aime pas les grandes pages, quoi. Et en fait, le truc, c'est que ça rentre hyper bien dans la tête, c'est assez impressionnant. Et aussi faire des dessins, mettre des couleurs et tout, ça aide. Donc. Ah mais absolument, Ça paraît mais bête, hein, on même dirait une perte aujourd'hui. de temps, c'est long d'écrire et tout, mais en fait, parce qu'en plus on écrit de moins en moins de nos jours, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, et écrivez juste ce qu'il y a de principal, quoi. Et ça peut aider, franchement, ça peut vachement aider. Mais même en entreprise, enfin moi j'ai continué à garder cette habitude de prendre des notes. Et en entreprise, maintenant je prends des notes différemment. À savoir, quand j'ai une réponse à une question technique que je me pose, etc., je vais la noter. Ou alors quand je suis sur une feature avec des specs, des spécificités qui sont un peu complexes. Je vais noter tout ce qui est rapport à la feature. Parce que c'est aussi garder des traces en fait. Parce que quand Oui. vous avez une réunion et que vous notez tout, bah si deux jours après on vous dit bah non c'est pas ce que j'ai dit, bah vous pourrez ressortir votre Oui, carnet. Tiens, non, ce jour-là, à telle heure, t'as pas dit ça. Donc, ouais. et ça, on se dit, comme tu disais, Jocelyn, à juste titre, hein, on se dit, ah, c'est long, etc. Mais en réalité, ce temps qui vous paraît long, en fait, c'est du temps gagné sur beaucoup de choses par la suite, vraiment. Et bon, même si c'est vrai que mes collègues me charrient, parce qu'ils m'appellent l'étudiante, parce que j'ai toujours, j'ai toujours ma petite trousse froufrou, avec plein de stylos de toutes les couleurs et tout, mais j'ai un code couleur à moi, enfin, mais en réalité, ça aide énormément. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup oublier le papier, mais comme tu disais, la mémoire kinesthésique, elle est là et elle existe. Donc. Autant s'en servir, quoi. Ouais. Servez-vous de tout ce que vous pouvez pour réussir, en fait. C'est tout simplement ça. Et c'est super impressionnant à quel point ça sert. Et ça, en fait, c'est finalement plus rapide. Parce que, par exemple, là, bon, récemment, je me suis intéressé à la cybersécurité. Mais j'ai plusieurs supports. Je suis en train de lire un bouquin. J'écoute des interviews, des vidéos, etc. Et troisième support, voilà, des cours en ligne ou autre. Et en fait, pour les trois, je prends les notes dans le même carnet. Et en fait. Comment dire, mes pages sont couvertes, quoi. Enfin voilà, je fais sur plusieurs pages. J'essaie de faire des schémas, de mettre des couleurs et tout parce que ça aide. Bon, après, j'ai pas 15 000 couleurs, hein. Mon stylo Bic là, 4 couleurs, il y a le bleu et le noir qui sont morts. Du coup, j'ai du rouge et du vert. Donc voilà, c'est mes couleurs originales, quoi. Mais tout ça pour dire, en fait, le but c'était quoi? C'est de me dire, bon, mon métier c'est soit d'être dans le dev ou autre, et la cybersécu. Typiquement, là je suis en train d'en faire, ok, je m'y intéresse, etc. Dans 3 mois, je vais me dire, ah ouais, ça fait 3 mois que j'en ai pas fait, et j'ai pas envie de tout me retaper en fait. Et en fait, comme vous avez passé du temps à écrire, en retombant pardon, sur ces notes-là, ça va se réaccrocher beaucoup plus vite à vos têtes, et vous n'aurez pas besoin d'ouvrir chaque site que vous avez visité, réécouter chaque vidéo que vous avez écoutée, relire chaque page du bouquin, etc. En fait, tout ça, c'est des giga résumés qui sont le plus utiles et pratiques possibles. C'est de la sélection, quoi. C'est quelque chose que vous avez sélectionné exprès pour aller plus vite dans le futur.
Et donc, bah, ça, je pense que ça peut s'appliquer effectivement à plusieurs domaines, et c'est vachement intéressant. Et on sous-estime, et c'est vrai que à l'école, on n'a pas forcément appris à utiliser correctement nos notes et autres. On n'a pas forcément eu de conseils ou de bonnes habitudes là-dessus. Écrire des cours, c'était remplir des pages entières de grands cahiers, soit en dictée ou autre. Et effectivement, ça pouvait être indigeste. Et si c'est un petit outil que vous avez comme ça, que vous dégainez avec votre stylo, et hop, vous étalez C'est deux, sûr. trois petites anti-sèches quoi là-dessus, c'est pas mal du tout. Et même l'astuce bonus, si vous avez du mal à prendre des notes, mettez-vous un soir devant le journal, vraiment sans déconner, essayez de noter tout ce que la personne dit. Arrivé à un moment donné, au bout du troisième journal, à essayer de tout noter, vous allez avoir des raccourcis et vous allez avoir votre façon à vous de prendre des notes en fait. C'est tout simplement ça, c'est linker des idées dans un papier sans être obligé d'écrire des phrases en entier. Et si je vous dis ça, c'est parce que bah, dans mon ancienne vie, quand je faisais des études plus scientifiques, enfin scientifiques pures et dures, on va dire, bon, ouais, l'informatique c'est des sciences, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bah, on était obligé, puisqu'on avait des cours magistraux, on était obligé parfois bah, pendant 2 heures de prendre des notes avec un professeur qui ne s'arrêtait pas, qui avait un débit hyper rapide, c'était le TGV, on l'appelait. Et franchement, bah, d'avoir fait ça tout l'été, de prendre le journal en note tout l'été, bah, ce jour-là, avec Monsieur Rapide, bah, j'étais au taquet. J'avais Ouais. noté tout son cours à la fin, quoi. Et bon, bien sûr, parce que j'aime bien quand c'est bien écrit et bien propre, bah, j'aurais recopié son cours. Du coup, ça me faisait double travail. On se dit, en fait, non, puisque quand je révisais mes notes, bah, c'était encore plus fluide, quoi. Enfin, ça venait. Donc, on sous-estime beaucoup le papier, parce qu'on se dit, ben, dans la tech, on n'a pas besoin de papier, t'as un bloc-notes. Ben, non, Ouais. on a aussi besoin de prendre des notes en réalité. Ouais, c'est ça. Bah, après, bon, j'ai expérimenté aussi, par exemple, les notes .txt, quoi, les fameux bloc-notes pendant plusieurs années. Ça sert parce que ben, j'étais à une époque où je me disais, c'est relou, il n'y a aucun outil qui me plaît, il me faut le truc le plus simple possible parce qu'en fait, bah, à l'époque, je connaissais pas Notion. Quand j'ai connu Notion, en fait, je me suis rendu compte que l'outil est hyper lent. Quand tu l'utilises quotidiennement, etc. En fait, je me suis dit rien de mieux qu'un bon vieux .txt. Et on apprend à schématiser mentalement et à l'écrit, ça reste des lignes, quoi. Mais dans la tête, c'est schématisé. Ça apprend aussi à simplifier, à se dire, bon, j'ai envie d'avoir besoin d'écrire le moins possible, quoi, et juste d'aller à l'essentiel. C'est ça. Et soi-même, bah, ça nous permet, comme tu disais, tu viens juste de dire, de schématiser mentalement et donc du coup de se créer des ponts entre différentes idées. Et se créer des ponts entre différentes idées, ça aide encore plus à mémoriser par la suite et à le restituer. Comme avoir des problèmes. Enfin, moi, j'ai mon mentor qui me dit souvent, un bon dev, c'est un dev qui a que des problèmes. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. franchement, si vous avez des galères, mais savourez vos galères, quoi. Vraiment. Ouais. Dites-vous, mais c'est une galère, mais je vais être tellement contente. Franchement, enfin, pour la petite histoire, c'est ma petite sœur, du coup. Elle avait fait un site, un projet perso sous forme de site. Et elle a fait une belle annonce sur LinkedIn, elle l'avait mis en ligne, etc. C'était une espèce de Google pour trouver des livres par trope, en fait. Et du coup, elle a fait son truc, c'était super stylé. Et 2 heures après, des caractères bizarres sur son site. Et en fait, quelqu'un avait réussi à hacker son site Ah. et à injecter un script, enfin, à injecter du SQL. Et à effacer toute sa base de données en fait. Donc Ouf. 35 000 livres de base de données volatilisés. Du coup, elle était vraiment dans tous ses états. Enfin, elle m'a appelée, elle était vraiment pas bien. Et moi aussi, j'étais pas bien. Et je lui dis, ben, pourquoi t'as pas protégé tes inputs? Elle me dit, ah oui, il fallait protéger mes inputs. Je dis, ben oui. Et apparemment, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas creusé dans sa formation.
Je dis, bah, écoute, c'est l'occasion. Vaut mieux que ça t'arrive maintenant qu'en entreprise. Donc, savoure cette galère. Ouais. Sécurise, apprends à sécuriser ton site, vraiment. Et tu verras qu'à la fin, tu vas être trop contente, même si tu dois tout refaire. Dis, mais non, j'ai pas la motivation. C'est bon, j'ai passé 3 semaines sur ce projet, j'en ai marre, j'ai plus envie. Oh là là. Je lui ai dit non, mais j'ai essayé de la remonter et au final elle a réussi et en plus comme elle était sur son chemin, elle a fait une refonte graphique de son site également et du coup ben, son site il était encore meilleur que la première fois et plus safe du coup. Donc c'est un exemple pour dire que même si c'était la fin du monde pour elle à ce moment-là, bah, aujourd'hui quand on en reparle, elle rigole quoi. Elle me dit ah, mais en réalité c'était la meilleure galère qui a pu m'arriver parce que j'ai eu des notions de sécurité par la suite et maintenant je pourrais plus jamais me faire avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah Donc justement, si vous encore avez récemment, ouais, j'ai découvert en regardant un peu de trucs de sécurité, quoi, que à THP, on apprend déjà quelques trucs. On s'en rend pas compte, mais typiquement, quand on vous dit que les bonnes pratiques dans Ruby on Rails, c'est de sécuriser vos inputs, maintenant vous savez pourquoi. En fait, quand on dit, ouais, absolument. on précise, on s'attend à avoir un email, on s'attend à avoir des numéros, on s'attend à avoir des chaînes de caractères, tout ça c'est important en fait. Ouais. Ah, excuse-moi, du coup, je t'ai Exactement, coupé. donc mais je suis totalement d'accord et c'est cool que vous le voyez là parce que bah, moi dans ma formation par exemple on nous l'avait pas appris et je l'ai su parce que bah, j'ai posé des questions donc mais oui, donc du coup, c'est des choses comme ça qui peuvent paraître bêtes, etc. Mais où on se dit, waouh, j'ai perdu une semaine de travail parce que j'ai eu ce problème, c'est n'importe quoi. Mais non, enfin, oui, ok, vous l'avez eu maintenant ce problème, mais tant mieux en fait. Tant mieux que ce soit maintenant et pendant votre formation et pas lorsque vous êtes en poste. Parce qu'une base de données effacée en production. C'est un autre délire. Ouais, ça pique, ouais, carrément. Ouais, et du coup, il y avait un truc auquel je pensais aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément comme ça, le fait de savoir se connaître. Est-ce que tu aurais des choses à dire par là-dessus, Ah ouais? oui, mais ça c'est primordial, vraiment. Ouais. On part pas en guerre sans savoir de quoi est capable son arme. Ouais. Et là, votre arme, c'est vous, en fait. Vous n'avez que vous. Donc, enfin, maximisez vos chances en jouant de vos points forts. Par exemple, pourquoi j'ai commencé à écrire dans un cahier? Parce que je sais que j'ai une meilleure mémoire écrite que chorale. Si on me le dit comme ça, bah, je ne vais pas retenir forcément. Donc, du coup, bah, j'ai pris des notes. Mais vraiment, si vous êtes une personne avenante ou si vous êtes une personne qui a le sens de l'humour, etc., jouez-en, même dans vos entretiens. Soyez vous-même aussi, c'est vraiment une part d'être soi-même quand on se présente pour un poste. Je dis pas non plus faire des blagues et se transformer en Jean-Marie Bigard, non, pas du tout. Mais si vous savez mettre les gens à l'aise, ben, aidez-vous-en. Si vous savez que vous avez telle capacité d'apprendre, telle facilité à apprendre, quand vous êtes dans telles conditions, ben, mettez-vous-y, quoi. Si, comme moi, vous avez besoin pour vous rassurer, travaillez comme une malade, travaillez comme des malades, vraiment. Enfin, Ouais. je parle en formation, bien sûr, dormez, hein. Oui, ouais. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai dormi qu'à la fin de ma formation et je peux vous dire que j'ai passé une semaine dans mon lit quasiment. Ouais. Ah oui, là, je travaillais trop. Mais moi, je me suis dit, t'as déconné. Enfin, parce que je travaillais les week-ends aussi, en plus de la semaine, mais ça m'a rassurée. Parce que je me disais, bon, au moins, dans mon planning, parce que je m'étais fait des plannings de révision, dans mon planning, je suis bien. Mais c'est Ouais. parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je pourrais jamais dire à quelqu'un, fais comme j'ai fait, parce que je sais pas comment vous fonctionnez. Mais trouvez vraiment les meilleurs moyens pour vous d'avancer. Et ça, c'est en vous connaissant. C'est ça. Et Pas comment se de guerre connaître? à Bah, deux en chevaux. faisant des tests, je pense que c'est pas mal. Hein. Se tester soi-même, se dire, ah bah, Se j'ai envie de tester faire ou ça. même Ouais.
Ou même vous rappeler quand vous étiez en cours, quand vous étiez enfant, quand vous étiez face à une difficulté, comment vous en êtes sorti. Se rappeler aussi même des choses personnelles que vous avez vécues, ça peut vous aider aussi à savoir ben, comment vous fonctionnez sous la pression, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, ben, pouvoir trouver aussi des moyens pour pouvoir trouver des moyens pour pouvoir se calmer quand on sait qu'on gère pas bien la pression, par exemple. Et c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais en réalité, une reconversion, c'est pas juste, c'est 80% du mental pour moi et 20% de travail. La compète, c'est dans votre tête, hein. Bon, bah, c'est cool. Alors, on va voir déjà s'il y a des questions. Oui, mais je vois que ça papote bien quand même Ouais, un ça papote un petit peu, ouais. Ah, les mind maps, ouais, ça aussi, c'est un sujet, effectivement. Ouais, les mind maps, ça peut servir. Il y a des personnes avec qui ça accroche, d'autres avec qui ça accroche moins. Alors bon, pour vous expliquer un petit peu, peut-être qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est. Donc, une mind map, en français, carte holistique. donc, c'est en fait, c'est une sorte de schéma. En arborescence. En arborescence, mais pas. Alors en gros, bon, vous partez de l'idée principale. Elle va être au centre de votre feuille. Et en fait, de cette idée principale, qui est écrite avec un mot-clé environ, quoi, va découler d'autres idées. Ces autres idées, elles vont être liées à peu près bon, tout autour du mot. Et en fait, bah, autour de chacune de ces idées-là, vous créerez d'autres petites branches, en fait, et ainsi de suite. En fait, il y aura des sous-branches dans tous les sens. Et en gros, c'est comme si ça faisait une grosse nervure en fait sur la carte, enfin c'est sur la feuille. C'est un gros schéma en toile d'araignée quoi, des idées qui découlent les unes des autres. Et bah, ça peut être très pratique pour prendre des notes sur pas mal de choses. Alors je sais pas si c'est la meilleure manière de l'expliquer. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Non, bah, je trouve que c'est une manière assez simple bah, de l'expliquer. Oui, c'est juste c'est faire de la pensée un peu en arborescence, on va dire, de partir d'une idée qui va donner une autre, qui va donner une autre, et ainsi de suite. Et à la fin, on a un schéma gigantesque. C'est ça, ouais. Ouais, bah c'est ça l'idée, ouais. Donc ça aussi, ça peut servir parmi les notes, que ce soit des schémas, des notes écrites en texte, en ligne, etc. Je pense que ça se marie bien avec avoir un carnet assez dynamique, avec des couleurs et autres, effectivement, le fait d'avoir des schémas et des couleurs. C'est vrai que aussi, bah, souvent les mind maps, c'est conseillé de faire ça en couleurs, de mettre des petits dessins pour chaque idée, etc. Donc voilà. Plus vous avez des choses visuelles et plus ça va être sympa pour le cerveau aussi, qui est plutôt habitué à la base. Enfin, le cerveau est plutôt fait pour des choses colorées, visuelles et puis imagées que des textes abstraits qu'on se force à digérer, quoi. Mais je suis d'accord. Bah, de Ouais. toute façon, on comprend mieux que, enfin, on apprend mieux que quand on comprend ce qu'on fait, hein, tout simplement. Alors, tu as une question de Christelle. As-tu, Oui. et si oui, comment as-tu valorisé les autres compétences, pardon, que tu avais de ton bagage de ta vie professionnelle antérieure? La question est un peu longue. Alors, hello Christelle, du coup, heureux. Alors, du coup, comment j'ai fait? Comment j'ai pu valoriser? Ben, déjà, oui, j'ai valorisé les autres compétences que j'avais de mon bagage de vie professionnelle antérieure. Pour savoir, il faut, enfin, pour la petite histoire, je vais le grade d'ingénieur qualité en agroalimentaire. Et après, j'ai été office manager avant d'être dev, enfin avant de me reconvertir. Et du coup, ce que j'ai pu transposer, c'est par exemple, quand on est qualiticien, on est obligé de lire ben, les réglementations européennes et françaises pour les produits, pour la sécurité des produits. Et rien que ça, ben, ça exige d'être rigoureux. De savoir se concentrer sur énormément de lignes très serrées. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, du coup, ben, par exemple, je donnais cet exemple pour pouvoir mettre en avant le fait que ben, la rigueur que j'ai pu apprendre, parce que c'est pas une rigueur acquise, la rigueur que j'ai pu apprendre dans cette formation précédente,
ben je peux la transposer dans la rigueur que je mets à pouvoir débugger quelque chose. Parce que quand on doit débugger du code historique, surtout si c'est du spaghetti, c'est compliqué. Donc c'est une qualité de pouvoir être rigoureux, organisé dans la tech. Donc voilà comment je fais en fait. J'ai essayé de voir vraiment dans toutes mes vies antérieures, toutes les qualités que j'ai pu avoir et acquérir, et toutes les compétences que j'ai pu acquérir, et comment elles pouvaient se traduire dans le dev. On a une autre question là qui suit juste après. Quel est ton conseil pour les personnes qui enchaînent les formations? Alors, c'est-à-dire les personnes qui veulent faire plusieurs formations à la suite, c'est ça? Ce que je pense, c'est que mon avis compte pas. vous faites ce que vous voulez, vraiment. Moi, j'étais plus du genre à vouloir le faire, enfin, à vouloir faire les choses rapidement. Parce que bah, ma situation ne me permettait pas forcément d'enchaîner les formations. Mais si vous en avez envie et que vous sentez que ça peut vous aider à poursuivre votre chemin dans le dev, ben faites-le. Après moi je suis vraiment c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment pour moi. Je suis plus du genre pratique en fait. J'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis plutôt que de me faire enfin d'aller en cours on va dire. Du coup c'est pour ça que je préfère largement et c'est pour ça que après mon bootcamp on avait possibilité de continuer avec 3 mois de formation sur un framework PHP. Et j'ai refusé, j'ai préféré me lancer dans le monde de l'entreprise et chercher moi-même l'entreprise qui voudrait me former sur un framework PHP. Voilà, j'en ai trouvé deux finalement, donc je pense que tout est possible. Après, c'est sûr que si vous restez 10 ans en formation, bah, ça risque d'être un peu plus compliqué de se lancer, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose à recommander d'enchaîner plusieurs formations pour en enchaîner plusieurs. Bon, après, s'il y a des objectifs très précis, ça peut être une bonne Oui. chose. Mais si c'est juste pour une histoire de confiance, je pense qu'il est plus intéressant de favoriser l'expérience, quitte à faire des stages non rémunérés, et puis voilà, travailler gratuitement, j'en sais rien, pour un freelance, de l'open source, pour des stages ou autres, plutôt que de multiplier les formations juste pour. Se donner davantage de confiance, quoi. À mon avis, pour moi, c'est sûr, quand on sort de The Hacking Project, on est capable de trouver du travail. Et c'est une question de temps et de stratégie, en fait. Quelle stratégie vous mettez derrière? Bon, après, il y a un petit facteur chance, mais pour moi, le plus important, clairement, c'est la stratégie. Et une des stratégies de conseil, c'est dans les premiers mois, même si vous ne trouvez pas quelque chose qui est rémunéré dès le départ, foncez, parce que comme ça, vous pouvez montrer que vous avez de l'expérience, vous aurez déjà travaillé en entreprise, vous aurez sacrifié que quelques mois et pas un an, 2 ans, où justement vous cherchez absolument à être payé et puis ça aboutit pas forcément. Donc voilà, pour mettre mon petit grain de Et même, sel dans les conseils. je suis d'accord avec toi et je vais même aller plus loin. Si vous voyez un CDI qui passe, postulez, en fait. Postulez. Enfin, si je vous le dis, c'est parce que enfin, une personne de chez Motiveur que je suivais depuis un moment, et je lui avais conseillé vraiment dès qu'elle voit une entreprise, même avec des technos qu'elle ne connaît pas, postuler. Même si elle voit des CDI, de postuler. De juste postuler en fait, parce que ben même si on vous prend pas, ben vous aurez peut-être eu un entretien, donc l'occasion de vous entraîner. Et puis si on vous prend, vous savez pas ce que ça peut donner. Donc cette personne a suivi mon conseil et là 2 mois plus tard, on vient de lui faire une proposition de CDI, alors qu'elle sort de bootcamp, de CDI sur une techno qu'elle connaît pas, et on va même lui payer la formation pour qu'elle apprenne cette techno. Bah ouais, ça c'est bien ça. Et au pire, si vous êtes pris et que vous aimez pas, rien ne vous empêche de refuser. Pardon, ça a coupé, j'ai pas Je entendu. disais, au pire, si vous êtes pris et que vous aimez pas, rien ne vous empêche de De refuser. changer. Ouais, de changer, de refuser, enfin voilà, de passer à autre chose. Vous êtes Ça vit libre. d'entraînement, quoi. Vous êtes libre, mais enfin moi c'est ce que je conseille également chez Motiveur. Faites des entretiens gris. C'est comme les mariages gris, ils sont pas obligés de savoir.
Donc, non, je rigole. Mais les entretiens gris, ben, c'est juste une entreprise, vous n'êtes pas forcément intéressé. Ou alors pas du tout, vous voulez pas le poste, mais vous passez l'entretien. Pourquoi? Ben, déjà, ça va vous permettre de vous aguerrir, ça va vous permettre de vous faire un entraînement en plus. Et puis quand il y aura cette fameuse boîte que vous voulez vraiment absolument, ben, vous serez prêt en fait. Carrément, ouais. Et même, il peut arriver des petits twists où l'entreprise pour laquelle vous avez fait un entretien gris, bah finalement, elle vous plaît. Donc voilà, et ça c'est déjà arrivé aussi. Donc n'hésitez pas en fait, c'est votre vie. Soyez pas un PNJ de votre vie en fait. C'est décider quoi, décider et puis lancez-vous. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous allez perdre? Rien. On va pas vous tuer parce que vous avez postulé à un CDI alors que vous n'avez pas d'expérience dans la tech. Au pire, on vous dit non. Après, fin de l'histoire, on avance. Ouais, c'est vrai. Voilà. Au début, de toute façon, il faut les prendre un peu comme des entraînements parce que c'est dur d'être pris des premiers coups. Oui, c'est extrêmement dur. Ou alors, les personnes que je connais qui ont eu du premier coup, certains avaient aussi un réseau déjà avant. Donc oui, là dans ces cas-là, oui. Mais si vous êtes comme moi, que vous vous lancez, vous n'avez pas de réseau, parce que quand j'ai commencé, j'avais zéro réseau. Ben, ce qu'il vous faut, c'est du cran, quoi. Et du coup, ben, vous tapez à toutes les portes possibles et imaginables, et vous verrez bien. Oui, PNG Free Guy, oui, Damien. Il faut libérer les PNG. Soyez tous des acteurs de vos vies et laissez pas la vie vous dicter ce que vous devez faire ou ce que vous devez être. Juste vivez-le et tant que vous êtes au clair avec vous-même, tout va aller quoi. Enfin, vraiment. Et Non la mais technique, c'est de la technique quoi, ça s'apprend. ouais, c'est clair. En plus, on apprend à être débrouillard, c'est un métier, on apprend vachement à être débrouillard à partir de juste une idée et se débrouiller pour trouver toutes les réponses à nos questions et comment construire, se réfléchir à comment construire les choses, etc. Donc, c'est vrai que ça donne des bonnes bases même pour la vie en général. Donc, voilà. Absolument. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis dev, enfin, j'ai vraiment moins peur de faire des trucs, quoi. Ouais. Si je veux me lancer, je me lance et puis je me dis, ben, advienne que pourra. De toute façon, qu'est-ce que je perds? Rien. Ouais, c'est clair. On se rend compte en fait qu'il y a des tutos sur YouTube pour tout et n'importe quoi et que bah si on peut l'appliquer pour du dev, on peut l'appliquer pour d'autres trucs, quoi. Alors en fait, ouais, le sujet de la table ronde, ça concerne le dev, mais en soi, les conseils, ils sont pas mal transposables à d'autres domaines. Typiquement, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a dit qui peuvent servir pour les data analysts ou pour d'autres domaines de la tech en général. Et je dirais même d'autres domaines hors tech aussi, je pense que ça pourrait servir. Effectivement, je pense qu'après être passé par le monde du dev, si je me remets à chercher du travail, je le ferai de manière beaucoup plus intelligente, quoi. Ah bah oui, enfin moi quand je compare à ma vie d'avant, je me disais mais pff, quelle amatrice. Ouais, c'est ça. T'étais une amatrice, hein. Ouais, T'arrivais bon, en d'accord. tout. Quand se compare à l'ancien, ouais, l'ancien soi, c'est assez drôle, c'est clair. Non mais vraiment, donc c'est de toute façon. Comme dans la vie en général, tout est une histoire de stratégie et si vous voulez aller loin, ben, ménagez vos montures et ça va aller quoi. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin, restez pas dans vos coins. Voilà, vous avez forcément des camarades de formation et même au-delà qui pourront vous aider vraiment. Ouais, carrément. Faut rester actif et rester entouré. Très important, je pense que c'est. Enfin, il y a eu beaucoup de conseils importants quand même dans. Et ce qui est bien, c'est que ça change un petit peu aussi des autres tables rondes parce que on ne redit pas toujours les mêmes choses. Il y a des choses qui reviennent parce que bah, effectivement, tout le monde est d'accord sur le fait que telle chose est importante dans le domaine, quoi. Mais voilà, c'est cool. Il y a plein aussi de nouvelles suggestions et conseils qui diffère un petit peu des anciennes tables rondes. Donc, très cool.
Alors, on a encore d'autres personnes qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas à bombarder parce que, en soi, le format 1 heure est déjà coché. Donc, après les différentes remarques et questions, on va pas tarder, quoi. Ben, en attendant qu'une question se pose éventuellement, n'hésitez pas si par la suite vous avez des questions via Discord ou LinkedIn. Voilà. Ayez une note quelque part. Vous écrivez qu'est-ce que vous pouvez contacter et pourquoi, à quelle date vous avez rencontré la personne. J'aime bien faire ça moi de temps en temps. Bah, par exemple, si j'ai des contacts professionnels, parce que ma mémoire, enfin voilà, on a tous des limites quelque part. typiquement, les contacts, j'écrivais comment dire, première rencontre à telle date, pour telle raison, telle occasion, optionnellement si c'était physique, tel lieu. Et puis les centres d'intérêt, etc. Enfin, j'écris pas un roman, mais en gros, j'écris 10 ou 20 mots, quoi, allez, 30 mots, qui résument bien le premier contact qu'on a eu, et puis la relation, pour ensuite, dans le futur, être capable de recontacter cette personne en cas de besoin, quoi. C'est toujours cool d'avoir une note quelque part qui dit ça, que ce Même soit avec genre. les recruteurs, hein. Moi je Ouais. fais ça aussi avec les recruteurs. Ouais, avec les Si par recruteurs, ouais, exemple très bien. il y a eu un recrutement, j'ai pas été prise, etc., mais que je m'entends bien avec le recruteur, ben, je vais le garder dans mes contacts, forcément, parce que peut-être qu'un jour, je sais pas, dans 10 ans ou autre, ben, on pourra se recontacter, il aura peut-être une offre cette fois-ci à me proposer. Enfin, et d'ailleurs, j'en ai un exemple récemment. Quand je sortais de bootcamp, j'avais rencontré un recruteur qui travaillait pour une plateforme de recrutement, justement. Et il m'avait dit que j'étais trop junior encore, mais on se gardait en contact. Et ben, c'est l'année dernière, 2 ans plus tard, on s'est remis en contact, et il a fini par me trouver le poste que j'occupe actuellement. Donc on se dit, oui, c'est des personnes que je vais croiser une fois comme ça, mais le monde de la tech est petit. Donc Ouais. il se peut, si vous avez un bon feeling avec un recruteur, ben, gardez ce lien-là, parce que cette personne peut potentiellement peut-être vous ouvrir les portes d'une autre entreprise dont on ne savait rien. Il y a des personnes qui ne sont pas encore recruteurs aussi, vous restez en contact et puis deviennent recruteurs et vous trouvez un travail Ben grâce à oui, ces personnes-là. absolument, absolument, absolument. Ouais. Donc tout est bon pour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au réseau, quoi. Le réseau, c'est pas juste les devs, le réseau, c'est les devs, les recruteurs, les CTO, les leads, certains leads aussi, parce que si ça se trouve un jour, ils seront CTO. Ouais. Donc Jocelyn, je te garde dans mes petits papiers. Voilà, c'est ça. Non, mais Là, je vois tout enfin, le vous monde prendre son voyez. papier, son petit papier avec. Jocelyn, dans un an, CTO, alors recontacter. Non, mais voilà, on se dit forcément que c'est rien, ou que c'est des choses. Enfin, c'est des petits riens comme ça qui, au final, peuvent vraiment provoquer le facteur chance, quoi. Parce qu'on se dit, il y a un facteur chance, mais la chance, il faut savoir la provoquer aussi. Ouais, Elle va ouais, pas venir toute seule comme ouais. Ouais, c'est ça. clair. Moi, je suis pas quelqu'un de chanceuse de base, donc j'ai toujours dû provoquer un peu la chance, quoi. Mais voilà, je crois qu'il y a une question. On apprécie plus les profils de petits jeunes sortis d'école que les gens plus âgés en reconversion. Faites-vous le même constat? Très bonne question. C'est une très bonne question. Bon, a priori, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais en vrai, En fait, l'âge. je pense pas vraiment, tu vois. En fait, je pense que l'âge joue si on cherche une alternance, par exemple. Ça peut être quelque chose, enfin, de freinant pour certaines entreprises. Mais encore une fois, enfin, si une entreprise a l'air de pas apprécier ton profil à cause de ton âge, ne va pas bosser Oui, en soi, c'est un ouais, carton rouge. Ouais, là-bas. effectivement. Enfin, c'est un gros red flag, ça. Ouais, effectivement, ouais. Mais j'ai pas vraiment constaté ça. J'ai plus constaté des personnes, parce que j'ai une collègue dev qui du coup était en reconversion à plus de 45 ans. Et beaucoup de gens ont essayé de la décourager, justement, en lui parlant de son âge.
Mais finalement, elle a trouvé. Donc, En fait, faut je montrer te mets au-delà. déjà en tête que c'est un fait, c'est une vérité, qu'on va pas te vouloir parce que tu es plus âgé, parce que tu as ce sentiment-là. Bah, tu vas pas facilement attirer les entreprises qui vont s'en foutre, hein, si je peux parler vulgairement. Mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire juste là. Ouais, carrément. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que les personnes n'aient même pas le temps de porter attention à ça, parce qu'ils sont plus captivés par ce que tu leur montres, notamment comme ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de montrer qu'on est curieux, le fait de montrer qu'on est motivé, etc. En fait, parfois, ça vaut beaucoup, ça prévaut en fait sur le reste. En fait, même, admettons, ça arrive aussi hein, qu'on peut se dire, oh là là, je suis trop jeune. Et en fait, ben, comment dire, dans tous les cas, on a une carte à jouer. Par exemple, le fait d'être un petit peu plus âgé que les autres candidats, ça permet on peut se vendre sur le fait qu'on a un point de vue beaucoup plus mature, en fait, par rapport aux autres. Et que, voilà, on a des choses à apporter du point de vue recul, maturité. Alors, peut-être pas sur le domaine concerné, mais humainement, ce qui est très important dans une entreprise, d'avoir des personnes qui sont très évoluées humainement. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes à jouer là-dessus, parce qu'en fait, bah, on a eu l'occasion de passer par plus ou moins, comment dire, par un nombre plus ou moins grand d'expériences différentes dans le passé. Et donc, c'est un très bon moyen de se vendre. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir que de l'expérience dans le domaine qu'on vise. Typiquement, Absolument. sur mon CV, bon, je le mets pas, mais à l'oral, dès l'entretien, on me demande de parler de moi. Je commence avec la première expérience qui a absolument rien à voir avec le monde de la tech. Mais comme c'était ma toute première expérience, j'ai pu apprendre à travailler en équipe, j'ai pu apprendre à avoir une pensée un peu stratégique, à dire ouais, en fait, quand on est sur le terrain, faudrait que toi tu fasses ça, etc. Donc, penser un petit peu stratégique. En fait, je me suis dit, il faudrait lister toutes les choses qui ont été bénéfiques dans ce poste. Pour montrer que voilà, Ben, je c'est sais ça faire ça. justement dont on parlait, de pouvoir transposer les qualités qu'on a eues dans sa vie antérieure dans la tech, pardon. Moi, j'ai un autre exemple aussi là-dessus qui est personnel. C'est que quand je sortais de bootcamp, il y avait un prestataire externe envoyé par l'école pour justement nous aider à pouvoir trouver ce premier job. Et la personne, elle a feuilleté mon CV attentivement. Elle me regarde tout de go, enfin de but en blanc, et elle me dit vous êtes une femme, vous êtes noire, vous serez jamais dev, ou alors les chances sont très très minces. Wow. Alors, comment une personne qui est censée vous aider, et Wow. on se dit, ouais, elle a de l'expérience dans le métier, donc elle connaît le métier, etc. Elle me dit ça, mais c'était un truc, mais c'était pire que mettre les pieds dans le ciment et me jeter dans l'Hudson, quoi. Mais vraiment, dans la Seine plutôt, on va rester en France. Et je me suis dit, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais ça par rapport à l'âge, en te disant, si tu mets déjà des freins par rapport à ce que des personnes pourraient te dire, c'est mort en fait. Dis-toi juste que l'entreprise qui t'acceptera, elle t'acceptera pour tes compétences et ce que tu as potentiellement à apporter, que pour ce à quoi tu ressembles, ton âge ou que sais-je. Même si j'avais été une martienne verte, elle aurait trouvé le moyen de cette femme-là de me dire vous êtes une martienne, vous êtes verte, vous serez jamais d'Ève. C'est vrai que c'est très corrélé, effectivement, ouais, enfin non, mais c'est bête comme Voilà, réflexion, mais c'est. et la preuve, c'est que ma collègue, du coup, qui avait 45 ans, elle lui a dit à elle aussi vous êtes une femme, vous êtes vieille, vous trouverez jamais. Donc oui. Oui, elle avait une façon de travailler qui était assez particulière. Faut lui On a répondre, je fini pense par que vous ne comprendre. trouverez jamais la personne, parce que si vous dites ça à chaque personne que vous rencontrez, à chaque fois il y a un truc à trouver. Wow. Et justement, une semaine après ça, on me disait oui pour mon premier CDD. Et après, j'ai enchaîné. Voilà, si seulement je l'avais écoutée, je m'étais dit, c'est un constat qu'elle me fait et qu'elle me dit, alors c'est que c'est la vérité gravée dans le marbre, je ne serais pas là en train de vous parler. Clairement, non, vu comment ça m'avait
Ouais. Ça m'avait cassé mon délire. Ouais, tu m'étonnes. Attends, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'événements extérieurs, des choses extérieures qui peuvent venir saper votre motivation. Et qu'on sait que dans ces moments-là, c'est là qu'il faut vraiment tout faire pour s'accrocher, quoi, parce que ça en vaut la peine. Vous en valez la peine et votre reconversion en vaut la peine. J'ai Donc l'impression que ce sont si... de très beaux mots pour conclure. C'est Je vrai que suis d'accord, je c'était crois qu'on peut s'arrêter une là. magnifique phrase de conclusion là. Je vais l'écrire, je vais l'encadrer. Ah, c'est excellent, Non, mais. mais c'est la vérité. Donc, partant de ce principe, ben, votre âge, c'est pas un problème. Votre allure, c'est pas un problème. Enfin, voilà, tant que vous êtes des humains décents, je pense que vous aurez pas de soucis, quoi. Ouais, oh, ouais c'est clair. Je le dis à tout le monde, vous aurez un replay évidemment de cette vidéo qui sera sur YouTube. Bah, ce sera posté dans la chaîne sur The Hacking Project. Alors ce sera pas cherchable sur Google, mais c'est un lien privé ou si on a le lien, c'est accessible. Donc voilà. Bah, est-ce qu'on termine là-dessus? Et le lien sera sur Discord, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça dit au revoir à mon avis. Ça dit au revoir, ouais. Ah, bah, c'est gentil, voilà. Des personnes qui Merci. ont apprécié. C'est cool. Ok, bon bah merci à tout le monde en tout cas d'avoir été là. Et puis merci à toi Elvira d'être venue pour ce sujet qui finalement s'est étendu pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Merci encore une fois pour cette invitation et c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi et avec vous tous et d'avoir vos questions et vos ressentis en live. C'était vraiment vraiment sympa. Ah bah génial, super, ouais, c'était un plaisir. Bah on se dit à plus, et puis peut-être qu'on se fera un autre volume de la table ronde si les personnes Pourquoi sont pas, hein? intéressées, voilà. Je dis pas non. Ouais, ça Bonne marche. journée tout le monde. À plus tout le monde, ciao.